Bonsoir les gens, c'est Willy, on se trouve pour l'épisode 10 de notre Let's Play sur Hollow Knight. Dans l'épisode précédent, nous avons vaincu les Mantes, qui étaient dans le village des Mantes, bien entendu, hein, logique. Je peux vous montrer même avec la carte. On était au niveau des villages des Mantes, et nous avons combattu 3 Mantes qui avaient l'air d'être comme des reines, ou des, en tout cas des dirigeantes du village. Et vu que nous avons réussi à les battre, nous avons gagné leur respect. Du coup, maintenant, on peut aller au village des Mantes sans se faire attaquer par une seule Mante. Ça, c'est plutôt cool. On a aussi gagné, je crois, un bonus, non? On a acheté la lanterne, mais je sais plus si on a gagné. On a gagné le laisser-passer de tramway, mais après, c'est tout. Et du coup, maintenant, on a le wall jump, on a le petit dash, ça j'essaie de vous le rappeler vite fait, on fait une petite mise au point. Et maintenant notre but en fait c'était d'aller au niveau de Dartmouth, là où il y avait les ruines oubliées pour aller dans la zone sombre. Sauf que en faisant un petit détour on s'est retrouvé dans cette nouvelle zone et on ne sait pas trop ce qui se passe. Donc on va visiter ici à la place et nous verrons si on aura le temps d'aller dans les zones sombres. Mais pour l'instant c'est là notre objectif. Bref, Quirrell nous parle. La capitale est juste devant nous, mon ami. Cet endroit semble si sombre, mais c'est là que l'on pourra trouver les réponses à plus d'un mystère. Moi aussi, j'ai ressenti l'appel de cet endroit. Mais maintenant que je suis assis juste devant, je suis hésitant à descendre. Je me demande si c'est la peur qui m'en empêche ou s'il s'agit de quelque chose d'autre. Oui. La ville semble avoir été construite au sein d'une seule et énorme caverne. La pluie tombe à travers les fissures de la roche qui se trouve au-dessus. Il doit y avoir beaucoup d'eau quelque part là-haut. Je suppose que le plafond de la grotte ne s'est pas encore écroulé. Il n'y a aucune raison que cela se produise maintenant. Je suis tellement impatient d'explorer la ville, mais je ne préfère ne pas me noyer. Bon, on avance. Hop. Ah oui, c'est l'ascenseur qui nous avait emmené ici, ça. Donc je descends. Je n'ai toujours pas de carte, faut que je trouve un picafard. Parce que sans papy cafard, on est un peu dans la merde, hein, je vous le cache pas. Aïe. Je fais n'importe quoi. Ok, l'ascenseur est là. Je vais descendre. Hein. Attendez. Il y a un chemin ici. Cité des larmes. Ok. Et c'est quoi ça? Ah. Encore un coffre. Rempli de géos. Bon. Là, il n'y a rien. Hop. Je vais descendre. Et ça, c'est très joli ici, je trouve. Ça fait ville. J'aime bien. Ah. Ok, je peux marcher dans l'eau. C'est bon à savoir parce que je croyais que j'allais mourir. Avant d'aller par là, je vais aller de l'autre côté parce que ça a l'air très long. Oh, et la musique est pas mal aussi ici. D'ailleurs, faut que je me rappelle, j'avais quoi comme charme? Ok, le truc de la furie. Je suis bien tenté de changer pour prendre le truc à des géos ou autre chose. Voilà. Du coup, je me suis mis le charme qui me permet d'avoir plus d'argent. Autant en profiter. On va gratter quelques géos ici. Oula, j'entends des bruits de forge.
Ah, merde. Je savais pas qu'il pouvait descendre. Voilà. Beaucoup d'aiguillons. On va trouver un forgeron, peut-être. Bah, tu apportes un autre aiguillon amélioré. Pose-le par terre et reviens plus tard, si tu respires encore. Oh, je t'ai pris pour quelqu'un d'autre. Cherches-tu un fabricant d'aiguillons? Eh bien, tu en as trouvé un. Hein. Je ne suis pas très bavard, mais si c'est un aiguillon qui a besoin d'être réparé, alors tu as trouvé le bon insecte. Ton aiguillon est en piteux état, celui qui n'est évidemment pas un des miens. Cependant, tout peut être perfectionné avec assez d'efforts et d'habileté, même cette relique brisée. Je peux reforger ton aiguillon, si tu veux. Cela rendra la lame bien plus létale. 250, bah c'est donné. Vas-y. Durcis-moi l'aiguillon, grand fou. Comme tu le souhaites. Je me mets au travail tout de suite. Stylé, petite cinématique. Voilà, j'ai fini de reforger ton âme. J'ai affûté la pointe de ton aiguillon, tu verras, il est maintenant bien plus puissant qu'il ne l'était autrefois. Va dehors et teste sa puissance contre tes adversaires. Et je peux pas le réaméliorer? Tu es encore là? Tu as besoin de quelque chose d'autre? Si tu me donnes un morceau de minerai pâle, je peux le reforger dans ton aiguillon pour le rendre un peu plus puissant. D'accord, c'est bon à savoir. Bah, je vais pouvoir le tester, je ne sais pas où, je ne sais pas quand, mais... Je le testerai. Là! Ah oui, je one-shot! Et je two-shot ce mob que je trichotais avant. Donc oui, c'est pas mal. Pas mal du tout, même. C'est bien, papy. Enfin, papy forgeron. Et puis avec mon charme, je vais regagner tous les jeux, les 250 jeux, je vais regagner en 2 secondes. Mais en vrai là j'ai une compo bien bourrine hein, en vrai s'il le fallait. Regardez, si je mettais, bon là je peux pas encore, mais si je mettais la marque de respect qui me permettait de frapper plus loin, plus la force fragile, là je pourrais taper ultra fort. On va même mettre les épines là, on serait pas mal. Niveau force. Mais on verra. Peut-être pour les boss. Mais. J'en ai pas trop besoin. Et voilà, lui il est mort. Je vais explorer par là du coup. Ah. Ok, il s'est noyé. Voilà. Donc, un ascenseur. Un mécanisme avec un trou de serrure simple. Ok, faut que je rachète une clé. Et ça va être un peu chiant. Je vais monter. Déjà, il y a un coffre ici. Ah, je peux pas aller là. Dommage. Ah. C'est honnête. Nous nous rencontrons à nouveau, petit fantôme. Je suis normalement très perspicace, mais toi, je t'ai sous-estimé. Cependant, je pense avoir deviné la vérité. Tu as vu au-delà des frontières du royaume,
Ta résilience est née de deux vides. Cela n'est alors pas étonnant que tu aies réussi à atteindre le cœur de ce monde. Ce faisant, tu connaîtras le sacrifice qui est le maintien encore debout. Si, en sachant cette vérité, tu essayes malgré tout de jouer un rôle dans la perpétuation d'Alonest, lance-toi à la recherche de la tombe de cendres et la marque qu'elle peut octroyer à un être comme toi. D'accord. Monument à la mémoire de Hollow Knight, dans le tombeau noir, bien au-dessus d'Alonest, perdure. D'accord. Le temple de l'œuf noir a été ajouté à la carte. Oui, attendez, je veux voir ça. Ok. Merde! C'est pas ce que je voulais faire. Et là, je suis coincé. Oh. Bon bah, il va falloir revenir en arrière, hein. Je ne peux rien faire de plus dans cet endroit. Il me faudra une clé. On va retenir ça. Par contre, est-ce que je peux partir? Parce que, d'après mes souvenirs, la porte s'était refermée, hein, derrière. Donc je pouvais pas partir. On va voir ça. Hop. On monte. J'ai fait n'importe quoi. Mais bon. Alors, comment que je pars d'ici? Attendez, il y a un truc ici. Les grandes portes ont été scellées. Nul n'entrera, nul ne partira. Bah ouais, mais moi faut bien que je parte, hein. Vous êtes gentils, mais... j'ai l'intention de partir, moi. Voilà. Tac. Bon, il est tombé. Zut. Voilà. Y'a quoi par là? Je suis déjà allé, je ne sais pas. On dirait. Y'a un truc en haut. Ok. Falloir aller par là du coup. Mais comment je sors? Ah, il y a un passage par là-haut. Je l'avais pas vu. Ah. Bah écoutez, c'est bien beau, mais... aïe. Comment je pars? Parce qu'on est d'accord, je suis coincé là. Et c'est mauvais. Je ne veux pas être coincé.
Moi, je vois que là-haut pour partir, mais... Il n'y a rien là-haut. Regardez. À moins qu'il y ait un passage secret quelque part, mais... Je pense pas. Ah, là, il y avait bien une plateforme. Il y a un monsieur volant. Voilà. Tout va bien. Donc, je suis peut-être pas coincé autant que ça. Oula. Ok, il y a un charme. Et il y a un monsieur. Soda l'honnête, encore. Il y a un truc ici. Non, il n'y en a pas. Zut. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Oula, un gros monsieur. Hey! Ah, ok. Il était plutôt facile à battre. Là, il n'y a rien. Je vais descendre un petit peu. Pour ouvrir ça déjà. Oh. Un vendeur. Oui. Êtes-vous venu à la recherche d'objets rares? Eh bien, ne touchez à rien. Cette collection m'appartient. Et je ne la vendrai pas à de sales petits vagabonds. Quand bien même, j'imagine que vous avez dû trouver des objets intéressants au cours de vos voyages. Peut-être voudriez-vous vous en séparer? Je vous ferai une offre équitable pour chacun de vos objets. Ah, un vendeur! Enfin, un acheteur plutôt. On verra ça plus tard. Peut-être ça va me servir. Donc, plus tard, monsieur. Hop, je remonte. On va aller en haut. Oh, il y a un gros monsieur. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a là-haut? À part un chevalier. Un chevalier mort. Un volant. Allez, viens. Hop là. Olé. Oh. Tu es mort. Non, je monte beaucoup. Mais bon, au moins on est débloqué, c'est cool. Paf! N'empêche, il a sacrément bien amélioré mon aiguillon. Parce que je two-shot des ennemis. Je pense que si je l'améliore un peu plus, je pourrais les one-shot. Aïe. Voilà. Je chue. Qu'est-ce qu'il y a ici? Un petit insecte, deux petits insectes. Une porte actionnée. Il y a un truc par là.
Allez, donne-moi ton trésor. Là, il y a un autre truc. Oui. Œuf France. Encore un œuf France. Je ne sais pas à quoi ça sert, mais bon. C'est bon, ça, je l'ai actionné. On va aller par là, du coup. Et on va monter. Il y a un banc. Priorité pour le banc. Ah. J'arrive, petit bonhomme. Je viens te sauver. Ah, cornifère en plus. Si ça, c'est pas parfait. Ok, je suis dans la merde. C'est bon. On a eu chaud. Allez, cornifère, montre-toi. Il me faut ta carte et il me faut le banc à côté de toi. Une machine, le symbole d'un banc. Oui. Merci. J'écoute, cornifère. N'est-ce pas un véritable changement de décor comparé à ces cavernes naturelles sinueuses? La pluie donne un certain aspect de tristesse à cet endroit, mais son architecture est tout simplement splendide. Cartographier une région si différente est un véritable défi, mais que j'ai hâte de le relever. Peut-être aimeriez-vous acheter un exemplaire de ce que j'ai fait jusqu'à présent? Oui, en plus c'est pas cher. Hop, mets-moi la carte à jour. Eh bien on y voit plus, c'est bien. Attends, je vais même me permettre un petit zoom. Yeah, c'est good. Bon bah, plus cornifère. Là, il y a un autre chemin. Là, il y a un truc qui monte, non? Ah non, j'ai rêvé. Oula, par contre ça sent le boss cette salle. J'en dirais une grande salle pour aller voir un mec fat. Je suis pas trop rassuré. Hop. Ah. D'accord. Ah ok. Là il y a un petit chemin. Avec je ne sais pas quoi. Ces petits arbres, je sais pas à quoi ils servent. Oula. Olé. Mais lâche-moi. Je vous ai rien fait, laissez-moi tranquille, non? Voilà, meurs. Et donne-moi tes bons petits géos aussi. Oula, un charme. Ou un autre objet. Oh là là! Déconne pas. Une clé simple. Ah bah parfait! J'en avais besoin justement. Oula. Soyons vigilants parce que là je n'ai plus de vie.
C'est un petit peu dramatique. Bon, où m'amènes-tu, le jeu? Hop. Ah tiens. Donnez-moi de la vie. Journal d'un voyageur, encore. Mais je n'ai pas besoin de les vendre parce que je suis riche pour le moment. Il y a un banc là-haut. Oh là. Oup, petite esquive. Voilà, merci pour le banc. Et ça c'est quoi? Ah, le coléoptère. Bien sûr que je te donne de l'argent. Comme ça, je pourrais rentrer à la maison très facilement. Ah! D'accord. Aïe. C'est un raccourci du coup. Comme à vers chemin, avec les cubes accrochés avec une liane. Allez, viens. Sale bait. Du coup, faut aller sur le côté, hein. On a que ça à faire. Que me caches-tu? Une machine avec le symbole d'un ascenseur. Ah dis donc, par contre cet endroit il est payant de ouf hein. Vous êtes gentil mais... Je ne fais que payer. Allez monte. Oh attendez. Oui, c'est là. Ok, on est revenu à la cité des larmes. C'est cool ça. Et de l'autre côté, normalement, c'est... Oui, le long chemin. Et voilà les routes oubliées. C'est bien, c'est bien. Juste. Je dois tomber là, non? Pour enregistrer ma map. Voilà, tac, tac. Je casse ce chemin-là pour revenir. Et il y a un bout de masque. Yes. Quoi? C'est pas un bout de masque? Oh. Dommage. C'était peut-être l'autre truc qu'il y avait dans le marchand à Dotmouse. Mais bon, c'est un peu je suis un peu deg parce que moi j'espérais avoir mon petit truc à moi. Mon petit fragment de masque pour ma vie en plus. Mais bon. Tant pis. Du coup, je vais vous laisser là pour le moment. Ça fera un bon épisode. On ira, dans le prochain épisode, on ira ouvrir l'endroit, là, la zone tout en bas. Parce qu'il fallait une clé simple. Et on visitera peut-être encore un petit peu plus.
Du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très vite pour la suite de notre petit let's play sur Hollow Knight. Et d'ici là, à la prochaine.